Bonsoir, donc nous allons voir aujourd'hui vivre de l'arbitrage, possible ou pas possible? Pourtant, l'arbitrage, ce mot nouveau qui a apparu pour les vendeurs sur Internet, qu'est-ce que l'arbitrage? C'est prendre un produit, prendre le produit, mettre une marge et le revendre. Alors, il y a eu, comment. On a nos anciens qui, dans la vie réelle, faisaient déjà de l'arbitrage. Hein, je vais vous montrer ça derrière l'écran une fois qu'on aura tiré ce rideau. L'arbitrage a toujours existé et existera toujours, que ce soit grâce à Internet ou sans Internet. Mais moi, ce qui m'horripile un petit peu, c'est quand j'entends des gens qui me disent et qui disent à la communauté non, l'arbitrage, c'est pas viable, on peut pas en vivre, on peut pas. Ben si, on peut en vivre. Il suffit simplement d'avoir une méthodologie, d'avoir un mode d'action, d'être régulier. Un autre point que j'entends, c'est 2 heures par jour et vous allez faire fortune. Non, c'est pas vrai, garçon. Non. Regarde voir, moi, Paul Boucher, parce que je suis boucher de formation. Hein. Vous croyez que j'ai appris à désosser les cuisses de bœuf en 2 minutes, tout de suite, dès qu'on m'a mis devant la cuisse de bœuf avec un couteau? Non. Quand j'ai appris à démonter mes bêtes, il a fallu que je prenne mon temps, que j'apprenne le chemin du couteau. C'est comme le boulanger, c'est comme tout métier, il y a l'apprentissage. Et là, dans la vente, dans l'arbitrage, en plus il n'y a pas de cours à l'école, on ne vous apprend pas ça. Donc il va falloir se former sur le tas, acheter des formations à de grands gourous qui, bon, certains vont dire, je suis le meilleur, le PL, c'est la seule activité possible. Ouais, non, on pourrait débattre longtemps sur l'action unique. D'ailleurs, prenons un simple café. Un simple café qui faisait, il y a encore 20 ans de ça, l'action unique de servir café et bière. Enfin, alcool. Aujourd'hui, les cafés, quand vous les croisez, ben déjà, il y en a beaucoup moins. Et ils ne font plus d'action unique. Ils font café-tabac, café-dépôt de pain, café. Il y a toujours une activité avec le café. Ça, c'était pour la petite parenthèse, et il y en aura d'autres. Donc, au démarrage, je disais, il faut se mettre en place. Alors, travailler 2 heures par jour, non, c'est pas vrai. Actuellement, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes derrière votre écran. Pour ceux qui ont déjà commencé le e-commerce, félicitations. Pour ceux qui ne l'ont pas commencé, ils ont dû connaître la vie salariale. La vie salariale où tu mets ton cul assis sur une chaise ou devant un poste de travail pendant 8 heures. Avec un chef qui vient te surveiller derrière ton épaule pour voir si tu travailles bien. Hein? Et si il a intérêt à te pousser, comment? Je vais essayer de pas être vulgaire, mais c'est chaud. Il a intérêt pour lui à te pousser parce que son seule activité, c'est de booster la productivité. J'ai connu quelques chefs qui prenaient le couteau, mais j'en ai pas connu beaucoup. Sauf dans les petites boucheries. Mais autrement, le gars, il est là, il est dans les bureaux, il fait les actions et tout. Donc, on n'est pas là. Nous, l'arbitrage, on ne va pas être là pour vivre avec un chef sur le dos. On va être à notre compte, on va être notre propre responsable. Le responsable de notre réussite. Et pour réussir, il va falloir qu'on adopte une méthode. Une méthode toute simple, on va copier. Copier les grandes enseignes. On va préparer notre année. Oui, les grandes enseignes. Pourquoi les grandes enseignes? Ben, c'est le moment de tourner la page. On va aller voir. Parce que l'arbitrage, comme je vous le disais, existe depuis longtemps. Les supermarchés, on s'en fout hein, des marques. Et puis là, c'est juste pour avoir des images d'illustration. Les supermarchés, qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Ils sortent de leur hotte magique tous ces petits produits-là? Non, ils les achètent. Pour les revendre, on est d'accord. Ils les achètent pour les revendre. Et eux, eh ben, ils ont la saison. J'allais employer un mot, mais j'ai peur de dire une connerie.
Il travaille avec les périodes, les calendriers. Je vais vous montrer ça, j'en ai cherché. Les calendriers. Donc voilà un calendrier marketing. Hein. Bon, j'ai pris au hasard. Hein. Donc, le début des soldes d'hiver. Voilà. C'est pas tout à fait ce que je cherchais. Hein. Mais les grandes enseignes ont toutes des calendriers qui se collent. D'ailleurs, la méthode la plus simple pour vous, puisque vous êtes en apprentissage, allez, on va dire que vous êtes en apprentissage pendant un an. Eh bien, pendant un an, à partir du moment où vous avez regardé cette vidéo, toutes les semaines, vous recevez des publicités dans votre boîte aux lettres. Alors, vous allez me dire, putain, 52 publicités, ça va faire beaucoup. Eh bien, on va pousser le vice jusqu'à 104. Il y a bien au moins deux magasins qui vous tombent dessus toutes les semaines. Donc, vous allez prendre ces publicités, vous allez les collectionner. Ça va vous permettre de copier un petit peu le magasin, de voir un peu comment il travaille. Là, on est le 5-9-2019. Je suis étonné de ne pas voir encore de produits Halloween dans les magasins. Mais ça ne devrait pas tarder. Je pense que pour le 15, les produits vont commencer à arriver. Hein? Vous voyez, ils sont déjà commandés, ils sont déjà préparés. C'est ça qu'il faut qu'on fasse en arbitrage. Il faut qu'on travaille avec le temps. Faut pas qu'on se réveille le matin en se disant, c'est quoi aujourd'hui? Oh, c'est le 14 juillet, il faut que je... Ben non, il est trop tard. Hein? On a quelques produits qui vont permettre... attendez, on va revenir dessus après. Je ne vais pas me laisser distraire. On a quelques produits qui vont être récurrents. Comme... ben voilà, on va y aller. Comme l'outillage. Hein? L'outillage, des produits d'outillage, des produits de cuisine. Ça, c'est des produits récurrents. Quand on va les trouver, on va pouvoir les vendre. Hein? On va pouvoir les proposer. Alors, en outillage... On a la solution de prendre du matériel en dur, du matériel une fois qu'il est acheté chez la personne, qu'il est vendu à la personne, hein, ben on va pas lui en vendre tous les jours des graveurs ou des perceuses ou des scies ou des outils. Par contre, régulièrement, ce qu'on va pouvoir lui vendre, c'est des produits ce qu'on appelle des consommables. Alors en consommables, on a ben les gels pour les mains. On a les bandes, comment ça s'appelle? Bandes rugueuses. On a les scotch. On a les disques de ponceuse. Voyez? Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on propose tout le long de l'année, ça va être un petit peu notre fonds de commerce. Ça va nous, c'est des produits qu'on va vendre en petite quantité, mais qu'on va vendre régulièrement. Et qui vont nous assurer de payer notre espace de vente sur Amazon, sur eBay, ça va être notre fonds de roulement. Dans les bars, on a le poivreau qui vient. Ben, le patron le jette pas trop parce que ben ça fait toujours une dizaine de verres de vendus. C'est du fonds de roulement. Le boulanger avec ses baguettes, quand il a ses dizaines de mémés là qui viennent pour prendre son pain, du fonds de roulement. Là, on va en arbitrage, on va chercher des produits qui sont de consommation. Donc il y en a plein, hein. Je vais pas vous faire l'article, hein, les enfants. Et je suis pas là pour faire votre métier, hein. Je suis là pour vous montrer la direction. Arrêtez de regarder mon doigt. Regardez la direction. Là, on a... les ponceuses à bandes, c'est pas ça. Donc, la ponceuse, on va la vendre une fois, comme je disais, mais les bandes. Hein, on a plein, 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 plein de produits, que ça soit sur eBay, sur Amazon. Il y en a partout. Je ne vais pas tous les faire parce que c'est une vidéo que je veux faire assez courte.
Alors c'est pareil, donc on a dit qu'il nous fallait préparer notre année. Donc là on va garder toutes les publicités qu'on va avoir tout le long de l'année. Il y a des frais qu'il faut qu'on paye, donc on va payer nos charges. On va payer, vous voyez là, pour aller sur Amazon, ben, j'ai les possibilités de voir le Kepa. Donc Kepa c'est 15 euros par mois, ça fait une pizza. Hein. Voilà, ça c'est un minimum. Maintenant, pour en revenir à l'arbitrage et au fait que c'est pas une action pérenne, donc on a vu qu'il fallait pas y penser au début, mettre 2 heures par jour, c'est pas vrai. Organiser son année, la planifier à l'avance, donc on va récupérer toutes les pubs, hein, parce qu'on va copier les grandes enseignes. On va commencer par des produits simples comme les jouets. Ah, on n'a pas le choix, on a quelques jouets qui vont nous être autorisés par Amazon. Par les DVD, par les livres, ça va nous être autorisé par Amazon. Parce qu'en fait, Amazon va apprendre à nous connaître et va nous former. Un petit peu comme, bah tiens, il y a des jeux vidéo. Quand vous prenez un jeu vidéo, vous ne commencez pas tout de suite à faire le combat du siècle. Non, vous commencez avec les petites actions. Pour les jeux de combat, ben, vous commencez à combattre 2-3 bonhommes, 2-3 chars. Pour les jeux de ferme, vous commencez avec une vache, hein, une plante, et puis après vous évoluez. Je vous ai dit que comment Amazon, c'est pareil. Alors il y en a qui préfèrent eBay, parce que sur Amazon, vous n'allez pas pouvoir difficilement placer de la musique. Alors que sur eBay, vous allez être. Bon, j'ai ouvert un peu n'importe quoi. Hein. Sur eBay, vous allez pouvoir vendre des CD de musique, aller en troquet-puce, vendre des CD de musique, vendre des produits que sur Amazon, vous n'allez pas pouvoir vendre tout de suite. Hein. Bon, ça, on les a vus, on ne va pas revenir dessus. Hein. Donc l'arbitrage, vous voyez, c'est possible. Ça avance tout doucement. Donc on a les magasins qui eux font de l'arbitrage aussi. D'où vous croyez que ça vient, tous ces produits-là? Ils les ont achetés aux fabricants. Donc on va fermer. Là c'est pareil, ils les ont achetés et puis ils les revendent. Hein? Le supermarché c'est pareil. Ça tonne Ça tonne de produits, ils le revendent. Et le supermarché, avec son paiement à 30 jours ou son paiement à. Moi je sais que comment à la pizzeria quand je l'ai ouverte, j'avais un paiement à 30 jours. Donc en fait, sans le savoir et sans le connaître, je faisais déjà du dropshipping. Je vendais un produit que je n'avais pas acheté. Vous voyez, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Alors toutes les mauvaises langues qui viennent nous dire. Ouais, l'arbitrage, c'est de la connerie. Ben, l'arbitrage, on est dedans tous les jours. Depuis qu'on est né, nos couches qui nous ont servi à nous torcher le cul, c'était de l'arbitrage. La mère qui a, ou la personne qui a, la personne qui a été lâchetée en magasin, le magasin a été lâcheté lui aussi au fournisseur. Donc, vous voyez. Alors ne vous laissez pas abattre quand quelqu'un vous dit, ouais, l'arbitrage, non, c'est pas vrai, on ne peut pas en vivre. Je suis désolé, mais voilà des exemples. On en a plein des exemples, on en a autour de nous. Et en plus, j'avais regardé pour, bon, la pizzeria, je sais que j'étais à 30 jours. Le bar, parce que je faisais bar, ouvrier et pizzeria. Donc l'alcool, j'étais à 30 jours aussi. C'est-à-dire que. Sauf si j'allais chez Métro, mais si mon fournisseur d'alcool m'apportait la came, j'avais 30 jours pour le payer. Donc, quand je réouvrais la bouteille de muscadet et puis que je commençais à la vendre, je ne l'avais encore pas payée, qu'elle était déjà vendue. Donc, le dropshipping aussi n'a pas été inventé, vous voyez, ça existait déjà. Vendre un dropshipping, vendre un produit qu'on achète après. Avec l'argent du client. Ben, c'est ni plus ni moins ce que je faisais aussi. Alors, finalement, en y repensant, le boucher,
Voilà, il prend sa petite bête, il prend son petit cochon, il les démonte, il les fait en belle présentation. Et lui, en plus, il travaille de la viande, donc du produit périssable, il a intérêt à ce que ça parte. S'il est des merdes, il peut la mettre en charcuterie, comme ça au moins, ben, il fait du bundle. Ben oui, le bundle. Hein? Ce mot qu'on pensait nouveau, ben, quand on regarde le boulanger aussi, il fait du bundle. Ah lui, il fait que du bundle. Si, si, attends. Boule de pain à la campagne, la recette. Hein? Alors, il prend de la farine, il prend de la levure, il prend de l'eau, il prend du sel, il prend du sucre. 1, 2, 3, 4, 5. 5 produits qui réunis en un. Et ça donne du pain. Un bundle. Là, les gens qui font du PL, là, ils me font rire. Les pizzas, c'est pareil. La pizza. Bah, tu prends n'importe quelle pizza. Il faut faire la farine, la pâte, il faut mettre la garniture dessus. C'est un assemblage. C'est du bundle. En fait, je m'aperçois que je faisais du e-commerce dans la vie réelle avant de vous connaître, les enfants. Le plat cuisiné, quand je faisais mes menus ouvriers, hein, petit coq au vin ou blanquette et tout ça, et ben c'était du bundle aussi. Je prenais mes produits, je les assemblais, je sortais un truc. Vous voyez? Comment, ne vous laissez pas abattre et ne vous laissez pas incendier parce que les gens vous disent, on peut pas vivre avec l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, il existe depuis que vous avez des couches. Et même avant. Depuis que vos grands-parents et même avant. Hein. Voilà. Bon, l'avantage qu'on a par rapport. Nous, on a l'avantage par rapport au boulanger qui, quand il fait son pain. Moi, je vois, je vous ai dit, hein, je tiens une petite ferme, j'ai quelques animaux. J'en ai pas énormément, mais bon, ça fait une petite ferme. Quand je vais chercher mes baguettes de pain qui sont dures, j'ai mal au cœur parce que le boulanger, ben, il les a fait, il les a fait, et puis il me les donne, il les jette. Hein? Quand on voit dans les poubelles, quand on passe dans les derrières de supermarché, qu'on voit dans les poubelles le pain qui dépasse ou les conneries qui dépassent, qu'en plus ces saloperies, ils mettent du. Mais bon, on n'en est pas là pour ça. Moi, j'arriverai pas à faire boulanger parce que, vu la perte, vu le truc, non. Nous, on a la chance, en arbitrage, de pouvoir choisir le produit qu'on va vouloir. En plus, on va travailler avec le temps, donc on a quoi? Alors, le petit calendrier comme ça, c'est pas tout à fait ce que je voulais, donc je vais plutôt vous montrer ça. Hein? Quand il y a les soldes, quand il y a les opportunités, ben on regarde. Et puis on se prépare. Bon, la rentrée des classes, eh ben ça se prépare à l'avance. Il y a les stylos, il y a tout ça. Les jardins, ben, il y a tout ce qui est produits de jardinage. Si on peut en avoir. Hein. Bon, il y a des trucs qui ne nous serviront pas. Les trucs de jardinage, le truc de vendange. Eh ben, si on peut choper des verres, si on peut choper des produits liés à l'alcool, pas de l'alcool parce que sur Amazon et sur eBay, c'est le bordel pour les vendre. Mais on peut trouver des petits produits. On a l'Halloween, comme je vous disais, ou je l'ai dit dans une autre vidéo, on est le 5-9, l'Halloween. Moi, je pense que dans 10-15 jours, il y aura déjà des produits Halloween dans le magasin et des produits de Noël. Bah oui, parce que les supermarchés, ils sont pas fous, hein. Ils vont mettre d'avance les produits. Hein. Bon, il y a des événements qui nous servent pas, mais il y a des événements qui nous servent. L'épiphanie, pas vraiment. Le Nouvel An chinois, ça va nous emmerder parce que ça nous fait un mois de vacances de nos fournisseurs, pour certains. La Chandeleur, la Saint-Valentin. Hein. Il y a plein de choses à faire. La fête des grands-mères, la fête des mères, la Saint-Patrick, pas trop la Saint-Patrick, quoique du côté anglais, ça cartonne bien. Hein?
Les pa Pâques, toutes les petites conneries pour liées à Pâques, dans la thématique de Pâques, bah, pourquoi pas. Hein? Il y a plein de choses, il y a plein d'opportunités en arbitrage que l'on peut faire et on peut monter sa boutique. Parce que nous, on en vit. Moi personnellement, bon, je suis une grande gueule, je suis mal poli, je suis mal rasé, je suis en surpoids, je suis en surtension, et pourtant j'ai réussi à montrer la direction à plusieurs personnes, à leur montrer le chemin, et aujourd'hui il y en a certains qui tapent 5 chiffres. 15 000. 15 000 la dernière fois que je discutais avec un. Les vacances de juillet, août, ben c'est en juillet, août qu'on va les proposer, c'est pas septembre, octobre. Vous voyez, il faut organiser. Pour l'arbitrage, il faut vous organiser. En vous organisant, même si au départ vous ne pouvez pas acheter pour stocker, ou eh ben, vous prenez du produit qui sont de consommation régulière, les jouets, il y a toujours, toujours. Et ne me dites pas, quand vous avez un bambino comme ça, quand vous avez une copine ou un copain qui a un enfant, qu'est-ce qu'on fait? Oh ben, aussi bien 3 mois avant qu'il naisse, ou 2 ans avant, avant même qu'il soit dans le ventre de la mère, on y allait les mains dans les poches, accessoirement une bouteille de vin. Là, automatiquement, ben, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils achètent une petite connerie pour le jouet, pour le bébé. C'est un attire-pognon, ce truc. Ça remplit les couches, mais ça peut remplir les porte-monnaies. Je sais, j'ai une petite fille de 2 mois maintenant. Et je sais comment ça se passait. Pourtant, ma fille, elle n'était pas pétée de thunes. Et la première qui avait droit à ces cadeaux, c'était la petite. Hein? Une enfant reine. Une enfant reine. Elle a 6 ans, c'est une petite peste. Mais on l'adore, c'est notre peste. Vous voyez? Mais c'est pas parce que c'est ma petite fille. Hein. Tous les parents avec un enfant unique sont la même chose. C'est hélas l'inconvénient. Mais bon. Moi, je sais que quand j'ai eu les deux miens, je les ai gâtés pourris. Voilà, messieurs, dames, l'arbitrage, on peut en vivre, bordel. On peut en vivre. Et on en vit même. Mais il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut se mettre en place. Il faut travailler sur la distance. Il ne faut pas se réveiller le 14 février en se disant, oh, putain, c'est la Saint-Valentin, qu'est-ce que je mets en vente? Ben non, grand, il est trop tard. Ouais, putain, on est le 1er juillet. Où sont les ballons? Où sont les produits de plage? Où sont les serviettes et compagnie? Moi personnellement, en textile, je vous conseille serviette, taille unique, sac, toutes les conneries qui sont de taille unique, ou de comment, style serviette de bain et compagnie, que le petit tailleur, la petite ensemble, même le truc sexy là pour exciter le monsieur la soirée là en grillage, évitez ça, évitez ça. Simplement parce que les clients, ben, autour de vous, vous en connaissez sûrement, de ces charmantes dames qui font du 42 et puis qui veulent mettre leur cul dans du 40. Et après, c'est la faute du vendeur. Donc, prenez des produits génériques, comme la serviette, comme les serviettes de table, les nappes, les conneries, tout ça. Mais pas, surtout pas les vêtements. N'allez pas vous emmerder avec les vêtements. C'est trop chiant et trop de retour. Hein? Vêtements et chaussures, c'est des pareils. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé d'être le plus poli possible, d'être le moins grincheux. C'est pas évident, je fais des efforts. Mais bon. Non, je le dirai pas. Sur ce, messieurs, dames, je vous laisse. Je ferme et je mets ça sur YouTube. Bonne soirée. Ah, si. Pour l'arbitrage, on a la chance par rapport à notre boulanger. C'est d'utiliser des outils. Alors, on peut les utiliser dès le départ, mais ça coûte des sous. Ou on peut les utiliser plus tard, avec le temps.
Je vous mettrai dans la description de cette vidéo quelques outils que j'utilise personnellement, que j'en suis enchanté. Je ne vous encourage pas à les prendre si vous commencez tout de suite. Le seul truc que je vais vous demander de prendre, c'est Kepa. Parce que Kepa, voilà, dès que vous êtes sur un produit, ça va tout de suite vous dire si il se vend ou s'il ne se vend pas. Ah. Ça, c'est très important. Je vais essayer de trouver quelque chose qui a plusieurs vendeurs. Ouais, ça... Voilà, là, il y a 6 vendeurs. Bon, Amazon est dessus, mais on s'en fout. Voilà, Kepa, ça va vous coûter 15 euros, mais tout de suite, ça vous donne un graphe là, par rapport à... je vais prendre... Voilà. Voyez, violon électronique. Je sais parce que je suis un petit peu passionné par ça. Je finirai par m'en acheter un quand j'arrêterai de me, comment, de m'étaler. Voilà. Et tout de suite, on voit si ça se vend, si ça se vend pas. Ça permet déjà d'avoir une bonne idée. Et là, pareil, bah, le mec, au lieu de vendre des violons électroniques, il va vendre de la corde enfin, violon, corde, produits de consommation, les archers, tout ce qui, comment, tout ce qui pourrait s'abîmer et puis pourrir. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Là, c'est la bonne. Je raccroche.